Sarah Alopé, Les Anges 12. Harcelée par un internaute, elle dévoile son identité sur son compte Instagram. Sarah Alopé des Anges 12 a décidé de dévoiler l'identité d'un internaute qui ne cesse de harceler les candidats de télé-réalité font souvent rêver. Entre leurs voyages de rêve, en tournage ou en vacances, et les grosses sommes d'argent qu'ils empochent. Toutefois, ils restent des êtres humains et peuvent faire face à des problèmes. Sarah Alopé ne va pas dire le contraire. La candidate des Anges 12 se fait harceler depuis plusieurs mois par un internaute. Ce dernier, ne cessant pas de la critiquer et la qualifier de fille de joie à chaque tenue qu'elle porte. Très agacée par cela, et pour montrer l'exemple à des personnes dans le même cas, Sarah Alopé a décidé de prendre la parole. En faisant donc des captures d'écran des conversations et en dévoilant l'identité de la personne en question. La candidate des Anges 12 ajoute aussi en légende des clichés, « Cette personne me harcèle, je pense que c'est le bon mot. » C'est pour vous dire de ne surtout pas vous laisser faire et ne pas écouter les vilaines comme elle. Si j'ai décidé de vous montrer ça. Nous espérons que le harceleur va cesser son activité. Mot aussi, que Sarah Alopé a su motiver les personnes dans le même cas qu'elle. Les Anges 12. Sarah Alopé bientôt enceinte? Malheureusement, beaucoup de personnes sont dans le même cas que Sarah Alopé et n'osent pas signaler ce genre d'harcèlement. Nous espérons que la candidate des Anges 12 a pu donner du courage à ces personnes-là. Hormis cette triste histoire, la jeune femme est aussi au centre de nouvelles plus joyeuses. Il y a plusieurs semaines, des rumeurs disaient qu'elle serait enceinte. À Kebab, en apprenant cette nouvelle, décidait alors de mentionner Sarah Alopé pour en savoir plus. Malheureusement, l'espoir des fans a été que de courte durée. Car la jeune femme a révélé que cette histoire s'avérait fausse, « Je ne suis pas au courant et lui non plus. On aime les enfants mais on va y aller doucement quand même. » Nous espérons donc que la jeune femme et son chéri vont y songer assez vite.